45, nicht länger. Ich komme nur noch auf die Bühne und mach richtig. Bonjour à tous, bienvenue au 36e Chaos Computer Congress à Leipzig. Nous allons traduire cette session qui va vous présenter ce qui s'est passé pendant la dernière année au CCC. Donc, la nouveauté cette année, c'est que je n'ai aucun slide. Donc, on va d'abord devoir trouver les slides. Wir werden sehen. Also, wir haben es durch was völlig Neuartiges ersetzt, haben das genannt den dezentralen Jahresrückblick, weil wir uns gedacht haben. On a renommé cette revue annuelle, la revue annuelle décentralisée. Donc, on va vous montrer tout ce qui s'est passé de manière décentralisée. Et les gens vont vous parler de tout ce qu'ils ont fait pendant cette dernière année. Je ne vais pas utiliser plus de mots. Ah, j'entends un chien, c'est bien. On va commencer directement. J'aimerais vous présenter les gens qui montent sur scène pour que vous les reconnaissiez et ensuite je vais leur laisser leurs mots. On va commencer avec une mauvaise nouvelle, car l'un d'entre nous est mort cette année. J'aimerais en parler. Il y a, on va avoir une cérémonie qui va être faite par Padelun de Digital Courage, et la personne qui est décédée, c'est Jimmy Schulz. Merci. Je n'entends rien. Allez, on recommence. Attends une seconde. Je vous présente Padelun. Ozaft ist nicht mehr nur der Ausspruch nach dem Anstechen eines Bierfasses. Nein, es ist auch Begriff und Hashtag der ganzen Diskussion, die wir hier führen, geworden. Auch dank dem CCC, der diesen Begriff geprägt hat. Wir müssen ihm auch noch für viel mehr danken, nämlich insbesondere für dieses 20-seitige Papier, in dem die gesamte Analyse drinsteht. Ich empfehle übrigens jedem hier im Hause die Lektüre. Ich empfehle jeden hier im Hause die Lektüre. Je conseille à tous dans cette assemblée de lire ce papier. Il était sérieux. Il était très en colère que ses collègues au Bundestag ne voulaient rien savoir sur la numérisation. Partout, il entendait « Oh, c'est pas vraiment mon domaine, laisse-nous bosser ». Il cherchait des alliés au Bundestag et il voulait faire des crypto-parties au Bundestag, mais ce n'était pas possible. Si vous avez regardé sur son veston, il portait le sticker de la... le sticker du CCC. Sa devise était bière et cigarettes communistes, et c'était vrai pour tous les partis. Il était très en colère contre une politique de numérisation qui était inexistante ou au moins lacunaire. Entre-temps, pour lui, il n'y avait rien. Soit on lui disait de partir, ou alors les gens faisaient n'importe quoi. C'est pour ça qu'il voulait s'engager en politique. Il ne voulait pas parlementer, il voulait faire de la politique. Et en particulier de la politique de numérisation. Lors d'un congrès du FDP, le Parti libéral, il a déclaré qu'il voulait se rendre auprès de tous les partis et faire un petit stand.
afin de faire une petite manifestation contre la... l'enregistrement massif des données. Il a voulu essayer de donner un papier à tous, disant que la sauvegarde massive des données était une très mauvaise chose et était même anticonstitutionnelle. Le reste, c'est de l'histoire ancienne. La FDP a dirigé avec la CDU et ils se sont... ils ont empêché la sortie d'une nouvelle loi sur l'enregistrement des données. Un nouvel homme politique avec une politique du net était venu et il a eu le premier discours au Bundestag qui était enregistré sur une tablette et pas sur du papier. Après la session, il a été averti, mais pas uniquement lui le trouvait absurde, mais il a dû ensuite repasser sur du papier. Voilà, cette fois avec du papier. C'était donc son prochain discours après avoir été averti. Après la pause de l'été, les iPads ont été autorisés dans les sessions du Parlement. Donc, Jimmy nous a introduit l'iPad dans l'histoire des discours au Parlement de Bonn. J'aimerais dire ça à tout le monde, c'est que on commence pas tout de suite en haut, mais il a aussi commencé dans la rue. Et pour en pouvoir arriver jusqu'au Bundestag, c'est un long chemin. Et il avait vraiment un talent qui était de travailler sur les gens et insulter les gens pour poursuivre un objectif auquel il tenait. Il faisait partie du parti FDP. Il m'avait prévenu que j'aurais beaucoup de réactions négatives et je pensais que ce serait pas si grave. Mon image préférée dans mes souvenirs, c'est celle-ci où Jimmy était complètement énervé par le discours de la CDU pour la fermeture des réseaux. Et d'autres personnes qui étaient soutenaient le projet de loi de von der Leyen. Oui, ça, c'est grandiose. La politique, c'est quelque chose de... On sait ça entre nous, entre nerds et derrière les coulisses du Congrès. En 2017, le premier congrès ici à Leipzig, il a donné pour excuse qu'il était gravement malade, mais il a toujours été très engagé dans son travail. Il aimait ça.
Et oui, c'est lui qui dirigeait l'agenda de la digitalisation en préparant ses discours sur le droit au chiffrement et on le trouvait dans la Seabase le soir s'il avait la force encore pour nous retrouver. En début d'année, cette année, il y avait encore une interview où il disait « C'est pas grave, si je meurs, c'est OK. » Et c'est triste pour tous ceux d'entre nous qui ont déjà perdu des gens. Et au lieu de regarder les logos et les partis des gens, de regarder leurs valeurs, car on a du mal à reconnaître les gens pour leurs vraies valeurs. Le travail de Jimmy continue. Il a réussi à faire venir l'IGF à Berlin. Malheureusement, avant l'ouverture, il nous a quittés. 56 parlementaires du monde entier sont venus à Berlin lors de l'ouverture. À ce moment, je voudrais saluer toute sa famille. Peut-être que parmi les 17 000 participants au 36C3, tout le monde ne le connaissait pas. Mais il est avec nous. Adieu Jimmy. Que le pouvoir, que la force soit avec toi. Excusez-moi, c'était trop tôt. J'ai encore une dernière chose à ajouter. Ni pendant la vie de Jimmy, ni pendant son mandat au Bundestag, il n'a failli à la règle. Il a toujours réussi à placer le mot bière dans ses discours. C'était un pari et il a gagné ce pari. Adeloun, merci. Ah, maintenant, mes slides arrivent, donc on va pouvoir plus ou moins continuer, et ça continue aussi. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais je vais vous le raconter quand même. Je ne suis plus membre du CCC. On a préparé quelque chose. Je m'occupe maintenant des finances et donc on va parler de comptabilité. C'est Vollkorn qui va vous donner cette mise à jour. Ça, c'était pas 5 minutes. Bonjour. Il fallait un micro. Est-ce que tu as un contrat pour moi? Qu'est-ce que ça coûte déjà? Je sais pas, est-ce que tu es étudiant? Donc c'est 36€ si tu es étudiant et 72 sinon. Ah, Amazon Prime est moins cher. Et... Il t'envoie même des lettres à la maison. Ah, si tu me payes, je t'enverrai des lettres aussi. Ok, faites le
La review de l'année. Donc, je fais partie de l'organisation du Chaos Computer Club. Ici, c'est le bureau de Hambourg, comme ça qu'on l'appelle. Ici, sur le petit ordinateur à gauche de l'écran, c'est la base de données qui est uniquement hors ligne. Elle n'a pas accès à Internet pour des raisons de sécurité. Bon, j'avoue, c'est les petits PC, c'est pas très actuel, avec un Intel Nook. Et on a un peu modifié la disposition. Donc, on a regardé les données sur ces bases de données et on a retiré des informations intéressantes. Et j'ai Letty qui m'a aidé pour récupérer des informations. Donc, d'abord, je pensais que tu voulais me raconter des conneries parce que tu me parlais de 4000 personnes. On est à 7000, à peu près 7200 membres du CCC. On voit qu'il y a des hauts et des bas parce que on a des fois on fait le tri dans nos membres et du coup on a des pics. On a fait un graphique pour représenter les gens qui sont toujours là depuis le début. Donc on a, puis les gens depuis 2008, on a toujours 400 personnes qui sont là depuis 2008. Depuis 2014, c'était les histoires avec Snowden. On voit que de cette époque-là, on a pratiquement 900 personnes qui sont toujours membres aujourd'hui. Cette année, on est un peu en retard, mais ça peut encore augmenter. On est à 700. Sur ce graphique, on voit d'où viennent les gens qui sont membres du CCC, quelles sont les régions les plus actives. Bien sûr, Berlin est en premier, mais aussi à Hambourg. On a des villes, d'autres villes intéressantes comme Düsseldorf et Cologne. Et bien sûr, Karlsruhe, où on a la GPN. Donc, il y a beaucoup de gens engagés, mais aussi à Munich. Et depuis qu'on est à Leipzig, on a aussi Leipzig qui a beaucoup grandi. On peut penser qu'il y a des régions blanches, mais cette année, c'est faux. On a eu des membres cette année de chaque région, de chaque code postal, préfixe de code postal. Oui, Holgi, tu as une question? Tu veux que je réponde? Non, vous avez encore 2 minutes. Donc, encore une statistique que j'ai pas mis graphiquement, mais c'est le nombre d'emails. Ça a vraiment explosé depuis quelques années avec le nombre de nouveaux membres. Aujourd'hui, on a à peu près 33 000 emails qu'on a envoyés de manière majoritairement automatisée par rapport aux frais d'inscription à payer. Mais on a récupéré quand même 4 500 emails qu'on a dû lire et travailler, répondre. Ça fait quand même beaucoup de mails si vous calculez à la journée. Donc, on se retrouve une fois par semaine au bureau. Par exemple, cette semaine, on ne se retrouve pas, mais on travaille 2-3 heures à traiter tous ces mails. Donc, ce serait bien si les gens s'informent avant de nous écrire un mail. Et comme ça, on a moins de travail et on peut passer plus de temps à manger des pizzas. C'est pour ça que on trouverait ça super si vous alliez sur ccc.de/FAQ avant de nous écrire ou que vous lisiez l'email que vous nous envoyons, que nous vous envoyons. Et par exemple, si quelqu'un nous demande quand
il doit payer la prochaine, ses prochains frais d'inscription. J'aime bien coter le mail, envoyer une citation du mail que je leur ai déjà envoyé, où les clés GPG intégrées au mail, où les gens nous répondent directement avec la clé GPG intégrée au mail, alors qu'on leur dit explicitement de ne pas le faire. Ah, je suis content de pouvoir payer par virement, comme ça. Ah, c'est la deuxième association à laquelle je m'inscris. On a aussi la table du CCC qui est à l'infodesk dans le CCL. Vous le voyez ici sur la carte et vous pouvez devenir membre. Vous pouvez aussi parler de vos problèmes avec les gens directement. Vous pouvez aussi payer vos frais d'inscription. Et si vous avez des problèmes, vous pouvez aussi nous envoyer des mails ou des lettres directement. J'ai une question. On dit que je peux faire un virement, mais pour ça, il faut mettre le Chaos Noma, le numéro de membre. Nous le travaillons, puis vous recevez un mail. Et on vous donne votre numéro de membre. Et ce numéro de membre, il faut l'inscrire dans le virement. Et on vous te dit quand le virement est arrivé. Et là, tu es membre. Merci. De rien. Das muss so ungefähr, ich weiß es gar nicht, 1998, 1999 gewesen sein, da war der Kongress noch im Haus am Kölnischen Park in Berlin. Ça me rappelle dans les années, je sais pas si c'était 98 ou 99, on était à Berlin, et il y a des gens qui avaient mis une Nintendo 64 et qui jouaient à Mario Kart. J'avais jamais joué aux jeux vidéo avant de voir cette pièce et d'avoir joué à Mario Kart pendant tout le congrès. Depuis, je me suis acheté une console pour jouer à Mario Kart et rien d'autre. Du coup, j'arrive à rendre mon fils de 13 ans complètement taré parce qu'il n'arrive pas à me battre. La faute à quelqu'un en particulier, elle. Qu'ont fait les Hexen, les sorcières du CCC? Bonjour. Ça fait très très longtemps cette histoire de Mario Kart. Entre temps, nous avons eu une petite période pendant laquelle on ne savait pas si on allait continuer d'exister. Entre temps, on est plus de 300. Nous avons eu cette année 100 sorcières de plus. Ce qui représente une augmentation de 70%. Merci beaucoup. Puisque ces dernières années, nous n'avions même pas été là pendant la revue du Chaos, on va vous expliquer un petit peu comment nous fonctionnons en termes d'organisation, etc. Nous sommes environ 300. Je crois que maintenant nous sommes 320. Nous nous rassemblons sur une liste d'emails. Il y a des chapeaux de sorcières, c'est celles qui ont des responsabilités. On fait des petites réunions. Et cette année, on savait très bien que tout le monde allait venir. Et on a fait un tirage au sort pour savoir qui allait prendre ses chapeaux pour faire une assemblée, un workshop, etc. Et en fait, on a tiré au sort sans même savoir qui allait le faire. Et finalement, ça a bien marché. Si vous voulez nous
soutenir, eh bien, vous pouvez nous faire des dons. On nous trouve sur Twitter à @hexenc et @hexen sur Mastodon. Ah, attendez, il manque une image importante, mais bon, tant pis. Au jour 4, nous allons parler de féminicide et de ce qui se déroulait lors des les bûchers de sorcières au Moyen-Âge. Et ce qui... Ce que nous faisons, c'est des réunions sur le féminisme en général et sur les trois piliers du féminisme. L'interprétation s'excuse car l'oratrice parle vraiment très très vite. Et le commentaire sur l'image qui est absente de la présentation sur la manière dont on traitait les femmes à l'époque qui parlaient trop. Mais continuons. Depuis 3-4 ans, quand les choses ont commencé à augmenter et qu'on a récupéré plein de nouvelles sorcières, on voit ici et en violet les groupes de qui se sont liés à nous et qui sont les femmes dans le hacking et dans l'informatique. Et ce qu'on aimerait, c'est que cette carte se remplisse avec encore plus de petites bulles. Mais on ne va pas s'arrêter là. Nos objectifs pour 2020, c'est encore plus de groupes locaux. On veut plus de sorcières. Plus de sorcières pour le camp. Et si vous voulez, Hexe kann man nur werden, wenn man eine Hexe getroffen hat. Sei es auch nur für zwei Minuten, um die Mailadresse hinzuhinterlegen. Es ist nicht si vous voulez nous écrire, envoyez-nous un mail à info@hexen.org. Si vous voulez devenir une sorcière, il faut pouvoir avoir été en contact avec une autre sorcière. Der Überblick, was wir auf dem Kongress machen, denn das ist ja erst Mitte vom Kongress. Wir haben generell einen Fahrplan unter hexen.org, den könnt ihr da finden. Vous pouvez trouver sur hexen.org nos événements et tout ce qu'on fait sur le CCC. Donc on a vraiment beaucoup de choses pour intégrer les nouveaux membres, devenir des sorcières. On a des événements autour des workshops et des événements autour de la violence sexuelle. On ne fait pas ça vraiment juste pour nous, la l'égalité, on la veut pour tout le monde. Donc je vous souhaite de bien vous amuser. Attends. Sur mon plan, j'ai la soupe du samedi. Tu n'en as pas parlé. Les samedis de la soupe. Mais on va fêter notre anniversaire. On a 30 ans, donc on a un gâteau. Trente ans. Salut. Qui êtes-vous? Ulika et Erhard. On vient de Göttingen et on va vous parler de la soupe du samedi. Du samedi de la soupe. Donc, l'année dernière, on a été très actifs et on aimerait bien vous montrer
certaines de nos activités. Donc nous, on est 8 hackers de Neotopia à Göttingen et on a créé un groupe de jeunes. On est en partie parents, non-parents, étudiants, non-étudiants. Et on a réfléchi à lancer ce groupe de jeunes. C'est une vingtaine de hackers entre 7 et 17 ans et on leur propose un lieu dans lequel ils peuvent se mettre en réseau, se regrouper et discuter, hacker. Et je pense que nous, on adore ça et on apprend beaucoup de choses pendant ces événements-là. Donc, on vous a ramené un des projets qu'on a fait. On a construit du hardware ensemble. Donc moi je viens du hardware, donc c'est mon métier. Il y a beaucoup de gens qui sont plus dans le logiciel et on apprend tous les uns des autres. Vous savez ce que c'est? C'est une boîte dans laquelle on peut mettre des écrans et entrer des fonctions mathématiques d'un côté et avoir de l'autre côté un résultat. Donc on a réussi à terminer. Nos enfants, nos jeunes ont donc construit cet appareil. Et vous pouvez voir toutes les informations sur comment nous l'avons programmé. On a le Hacky Hour. Il y a 3 ans, on a eu l'idée de créer une Hacky Hour. L'idée venait de Würzburg. Et le but, c'est pour les jeunes chercheurs de venir apprendre les langages de programmation, transférer les connaissances. Et voilà, on a une petite session d'environ 15 minutes. Et ensuite, on a surtout une partie pratique où les gens peuvent mettre en pratique les sujets qui ont été discutés dans la session. Donc, si ça vous intéresse de faire ça en Allemagne, dans votre ville, on est vraiment content de tous les Hacky Hours qui se créent en Allemagne. Et donc, ensuite, on a les samedis de la soupe de l'URSS. UDSSR, c'est pour notre délicieuse recette de soupe du samedi. Donc l'objectif, c'est que les gens se retrouvent un samedi, font une soupe végane ensemble avec plein de légumes, on mélange tout ça, on met ça dans une casserole et on chauffe et tout le monde est content. En plus de cuisiner, on parle de choses comme le chiffrement, le backup et tous les sujets intéressants. Avant que le son nous soit éteint, on a aussi un groupe de sorcières à Göttingen depuis Halloween qui se retrouve tous les 2 mois pendant 2 heures. Et on veut grandir, donc on est content de n'importe quel nouveau membre qui veut nous rejoindre. Voilà notre sorcière qui est accrochée à la porte pour que personne d'autre ne vienne pendant nos rencontres. Enfin, on a une découpeuse laser avec laquelle on a créé plein de choses inutiles. Ici, c'est un tableau de calibration, mais on a surtout fait plein de moules et de sculptures. On est très actifs politiquement à Göttingen, donc on a créé des choses pour les groupes que nous soutenons. Ici, c'est des stencils qu'on a créés pour, par exemple, pouvoir peindre des objets ou faire des banderoles. Gut. Ah, jetzt.
Jetzt wollte ich gerade sagen, was das, also wir haben nämlich was Neues. Wenn die jetzt ihre 5 Minuten reißen, dann kommt dieser Mann mit dem roten Bart auf die Bühne und zupft denen so lange am Pulli, bis sie völlig aus dem Konzept kommen und nicht mehr wissen, was los ist. Die Tage, das war schon ein bisschen her, da war noch schönes Wetter, kam irgendwie, ich weiß nicht mehr, wer es war, meinte zu mir, dann haben sie auf dem Camp, haben sie dann irgendwie im Suff irgendwie, was macht das Telefon aus? Haben die im Suff irgendwie sich sowas überlegt? Ich weiß überhaupt nicht, Chaos, jetzt, Noemis, wer ist das von euch beiden? Ja, sag mir bitte, dass das mehr ist, als dass ihr euch im Suff irgendeinen Quatsch überlegt habt. Ich glaube, betrunken war keiner von uns dabei. Das war am helllichten Tage. In der Hitze wäre das ja nicht auszuhalten so gewesen. So ist das, aber so ist das mit der stillen Post. Ihr wart also fürchterlich betrunken und habt euch Folgendes ausgedacht. Genau. Donc vous étiez bourré et vous avez préparé la prochaine session. Et qu'est-ce qu'on veut vous montrer? C'est que on veut que les jeunes gens du chaos se regroupent et se rencontrent. On veut que le travail des jeunes soit renforcé. On vient de toutes les régions du CCC. On est des 14-18 ans. Sinon, on peut aussi accepter de 19 à 25 ans, mais plus rarement de 25 à 30 ans. On a fait notre kick-off au camp. On a un domaine, chaos.jetzt, avec un chat Matrix. Et on a un réseau IRC pour ceux qui aiment bien les technologies anciennes. Si tu veux faire ça avec nous, viens dans la colocation Wikipaka, dans la salle à manger, à 17h demain. On va faire une petite rencontre et on va planifier ce qu'on veut faire après. On a aussi un geekend planifié à Göttingen du 28 février au 1er mars 2020. On a des conférences téléphoniques, des canaux IRC et vous pouvez aussi tous nous joindre sur Twitter, même les plus vieux d'entre vous. Vous pouvez nous suivre sur Twitter ou sur Mastodon ou les deux. Si le club fait un großer bundesweiter Relevanz und kommt in der Region, also auf regionaler Ebene ist die Relevanz der Aussendung vielleicht gar nicht so groß, denn auf regionaler Ebene wissen wir alle, da interessiert die Menschen eher was anderes als die große Politik, sage ich mal. La politique, c'est plutôt quelque chose de grand localement. Et on a un engagement régional. Et André vient nous présenter le travail de presse. Comme on n'a pas trop de temps, on aimerait vous dire qu'on n'est pas de la concurrence à nos attachés de presse. On ne veut pas rentrer en concurrence avec eux. Nous, on fait autre chose. On met en réseau un peu tous les gens qui font du travail de presse. Tout le monde sait, tous ceux qui ont fait un peu de travail public, c'est un peu qu'on est toujours bombardé de questions. Et du coup, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire.
Par exemple, dans Chaos fait l'école, on a eu beaucoup de gens qui nous demandent comment on peut faire, comment parler avec la presse. S'ils viennent nous parler, comment on doit réagir? Et du coup, dans un de nos week-ends, on a eu l'idée de se mettre ensemble et de discuter aux solutions qu'on pourrait adopter. Donc, le résultat, c'est que depuis 2018, on se retrouve une fois par mois. J'aimerais dire de manière insolente, docu.ccc.de. On a un projet qui tourne, on a un workshop. On a un gros projet pour la protection des données et on a développé un logiciel avec lequel on peut avoir des informations qui sont toutes documentées sur notre site. J'aimerais vraiment que beaucoup de gens s'engagent avec nous. Sinon, tous les premiers lundis du mois, venez nous rejoindre. 51-58 sur Mumble. Si vous pouviez venir et nous apporter un peu plus d'expérience, ça nous réjouira énormément. Merci. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der Kollege anfängt, die Zeit zu nehmen, wenn ich nach dem nächsten, also jetzt anfange zu reden und das alles von der Zeit der Speaker abgeht. ich bin in den 80er Jahren zur Schule gegangen, an meinem Gymnasium. Nein, ich höre auch in den 80ern wieder auf zu erzählen, keine Sorge. An meinem Gymnasium gab es Informatik als Unterrichtsfach. Das war so ein Raum, da standen, ich glaube, es waren Apple II-Geräte, damals, die da rumgestanden haben. Wir haben Turbo Pascal gelernt. À l'époque, on avait des vieux ordinateurs Apple II, on apprenait le COBOL. C'était la bonne époque. Enfin, ma révolution numérique, à moi, c'était plutôt aller au... jouer un petit peu avec des Apple II et puis après aller voir les filles au coin fumeur. Chaos Smart School. Chaos à l'école, traduction de l'interprète, est un... Alors, que fait Chaos Smart School? C'est un projet d'éducation du Chaos Computer Club. Notre objectif est d'éveiller les enfants à tout ce qui a trait au numérique. Nous allons à l'école et nous leur faisons des ateliers où nous discutons avec les élèves de... thèmes qui ont trait à l'informatique, la protection des données, etc. Alors même si on n'entend pas vraiment parler de nous au niveau national, nous avons tout de même fait de nombreuses choses au niveau régional. Il y a 15 groupes actifs dans 15 grandes villes allemandes. Et j'ai vu que cette année, il y avait de nombreux enfants... Et nous avons des stands dans les assemblées. Nous avons invité plus d'une centaine d'enfants et nous avons fait différents ateliers pendant ce congrès. Il y avait de la soudure, nous avons fait de la sérigraphie,
Nous avons fait des petits ateliers sur la reconnaissance faciale. Nous avons fait un peu de programmation. C'était très sympa. Nous ne faisons pas que des ateliers dans les écoles, mais nous allons parfois aussi dans des facs, des grandes écoles, etc. C'est assez sympa. Nous sommes actifs à Berlin, où nous avons une petite communauté qui fait de l'éducation populaire. À Fürstenberg, il y a un hackerspace pour les jeunes. Nous avons même donné une présentation à la BSI, une grande foire de l'éducation en Allemagne. Dans tous les cas, vous êtes chaleureusement invités à venir nous voir. Si vous voulez nous aider, vous pouvez simplement contacter RFA ou nous... correction, vous pouvez venir nous voir ou nous contacter sur schule@lists.ccc.de. Nous essayons surtout de mettre à profit des écoles notre expertise pour transmettre tout le savoir que nous avons accumulé. Veuillez excuser l'interprétation, l'orateur parlait très rapidement. Nous voyons comme des personnes capables de transmettre notre expertise sur les nouvelles technologies aux générations futures, mais aussi à tous les publics qui s'intéressent aux nouvelles technologies. Le pacte numérique a été voté en mai. Il s'applique sur tout l'État fédéral. On va enfin financer différentes infrastructures, IT dans toutes les écoles. Chaque État fédéré doit écrire sa propre loi sur la répartition des fonds fédéraux qui sont attribués à la numérisation. J'imagine que beaucoup d'entre vous ne sont pas en S. J'imagine que, et je sais que les autres États fédérés doivent appliquer cette loi. Et j'imagine que vous vous inquiétez certainement de ce qui va se passer. Mais voilà certains points qui nous semblent critiques dans la rédaction de ces lois qui devront être votées bientôt dans tout le pays. D'abord, les objectifs éducatifs doivent être clairs. On écrit toujours des choses sur les infrastructures, mais jamais sur les objectifs éducatifs. Pourtant, il est sûr que ce sont des enjeux sociétaux qui sont là à l'œuvre. Les objectifs éducatifs inclus sont sur comment transmettre des savoirs qui sont déjà transmis dans les écoles, mais simplement avec des nouveaux médias, des nouvelles techniques, des nouvelles technologies, etc. D'après nous, il faut qu'il y ait un autre objectif, la compétence en matière de numérique. Des personnes compétentes sont capables d'expliquer aux écoliers comment
se servir des nouvelles technologies, quels sont les dangers, etc. On peut également leur expliquer ce qui se passe derrière l'écran, et ce, pas seulement à un niveau technique poussé. Il faut voir la technologie comme moyen, plutôt que comme objectif. Troisièmement, ce sont les éducateurs qui doivent être acteurs du changement. Il faut les renforcer. Mais comment faire en pratique ? Il y a toujours de plus en plus de techniques. Cela fait partie du nouveau pacte numérique. Et nos profs ne savent souvent pas se servir de ces nouvelles technologies. Alors, il faut faire appel à des gens qui sont capables d'expliquer les nouvelles technologies aux enfants. Ce n'est pas un préjugé, ce n'est pas non plus une accusation, mais tout le monde ne vient pas du même environnement et il y a là un déficit qu'il nous faut rattraper. Si tout ça vous intéresse, en août 2019, nous avons écrit notre position sur ccc.de, en allemand dans le texte, note de l'interprétation. Vous pouvez lire ce texte au cas où le thème vous intéresse. Ensuite, je voudrais conclure. Dans notre position, nous avons écrit la phrase suivante. Sans changement de direction, et sans objectif éducatif, ce pacte numérique risque d'échouer. Il s'agit là de plus que simplement l'éducation. Il s'agit de modeler la société telle que nous le voulons, à l'aube de cette numérisation. Voulons-nous avoir des jeunes qui soient contrôlés par les GAFAM ou voulons-nous des jeunes qui sont capables de penser par eux-mêmes et qui sont capables de réfléchir eux-mêmes à leur utilisation des nouvelles technologies? Merci. La dernière fois que j'ai parlé avec Linus Neumann, il n'arrivait pas à parler correctement tellement il était fatigué. T'es là, Linus ? Ah oui, je le vois. Ah non, il veut pas venir ? Bon, bah tant pis. Ok. Quelqu'un d'autre ? Vous êtes qui, vous ? Vous voulez continuer avec votre histoire de lance-données ? Oui, alors, comme les sorcières, nous avons un anniversaire. Nous avons édité le numéro 100 de notre magazine. Le voilà. On s'est demandé ce qu'on allait faire avec ce numéro 100 et on s'est aussi dit qu'on allait faire une petite revue des années précédentes. Ça n'a pas trop bien marché. Il y avait tellement d'autres choses qui nous intéressaient. Le numéro 100 sera prochainement disponible sur ds.ccc.de. Qui ne l'a pas encore lu ? Ah oui, quand même. Voilà. Alors, le prochainement, vous savez, c'est toujours la même chose. Je voulais que ça soit aujourd'hui, mais on a eu quelques petits problèmes techniques et donc il va falloir attendre encore quelques jours. Mais dans le numéro 100, il y a un petit retour sur des thèmes hautement politiques, parce que ce qui secoue et ce qui touche le chaos nous touche aussi. Et donc nous avons fait un petit retour, voilà quelques exemples. Nous avons parlé des Viennois, nous avons parlé de l'infrastructure critique et nous avons parlé du vote électronique en Suisse. Après le numéro 100,
nous ne nous sommes pas arrêtés là. Et donc, peu avant Noël, il y a eu le numéro 101. Et là, nous avons fait un petit peu plus de retour sur le passé. Est-ce que tu veux dire quelque chose ? Oui. Le numéro 101 contient de nombreux articles intéressants. Je ne vais pas vous gâcher le plaisir, parce que j'imagine que la plupart d'entre vous ne l'ont pas encore lu, parce qu'il vient d'arriver dans votre boîte aux lettres. Je ne me suis pas personnellement occupé de tout, mais vous devez savoir que c'est beaucoup de travail de construire un magazine comme celui-là. Nos collaborateurs sont tous géniaux, ils accomplissent un travail remarquable. Il faut se dire que vous ne donnez pas simplement de l'argent et pouf, arrive dans votre boîte aux lettres un numéro du Datenschleuder. Also, gesteh mal bitte hier. Genau. Schaut unten rechts. Regardez en bas à droite. Contenant 136 sur 110. Voilà comment ça marche chez nous. C'est tout le temps la même chose. C'est ma faute. Mais on apprend tous les jours. C'est très amusant. Et nous arrivons à faire venir cette satanée Datenschleuder dans votre boîte aux lettres. Et on a réussi à diminuer l'écart entre les numéros de quelques années à 6 mois. Donc, Datenschleuder numéro 101 vient de sortir. Ceux qui ne l'ont pas parce qu'ils ne sont pas abonnés, vous pouvez aller l'acheter. Ah non, vous ne pouvez pas aller l'acheter. Encore un raté. Mais non, c'est pas un raté. Ça veut dire que tout le monde l'a acheté. Tout le monde voulait des boîtes avec le Datenschleuder. Après l'impression, il a fallu dire aux gens, désolé, on ne peut pas vous en envoyer parce qu'on n'en a plus assez. Mais, petite astuce, les membres du CCC la reçoivent forcément chez eux. Vous voyez le plan là ? Eh bien, ce plan indique où vous pouvez devenir membre et grâce à quoi vous aurez une Datenschleuder dans votre boîte aux lettres. Alors, il faut préciser que nous nous intéressons à tout ce qui vous intéresse. Donc si vous avez des idées de thèmes, si vous voulez écrire des trucs, venez nous voir et on verra ce qu'on peut faire. Merci. Donc on a déménagé il y a 2 ans, on a récupéré des salles au niveau du syndicat des maisons de location et comme on voit avec les déménagements après un an, on a réussi à terminer notre déménagement. Oui, bon. Les choses ont duré un peu trop longtemps. Notre fibre optique est là. Par contre, le câble et tout est posé, mais il n'a pas encore de lumière. Donc, il faut encore résoudre le problème avec les télécoms. Donc, on aura de la fibre bientôt. Sinon, à Fribourg, on a pas mal de choses. On a toujours la journée de la souris. On a beaucoup de choses, beaucoup de,
de travail, à faire les choses qui nous font plaisir. On fait aussi régulièrement de la radio. On a la nuit du rétro gaming. On a aussi une douche. Pourquoi je sens ? Non, je sais pas, mais je viendrai et je vérifierai ça. On a aussi vraiment un beau bureau au centre-ville. Et la taille est vraiment bien, on a plusieurs pièces. Et je vous conseille vraiment à tous de venir nous voir. Bon, pendant un an, on va avoir encore. On va être dans les cartons, mais on est à 3 minutes de la gare centrale. Donc, même pour les nouveaux membres ou les membres actuels qui sont de passage, venez nous voir. J'ai une deuxième chose. Peut-être que chez certains d'entre vous, vous avez la 5G qui arrive. À Fribourg, c'est quelque chose traditionnellement très apprécié. C'est pour ça qu'on s'est décidé à offrir une bière de détox à la résilience 5G. On appelle aussi ça le Dechunk. On trouve ça très important de nous engager à Fribourg. On a énormément de gens qui sont pas rassurés et qui ont peur, et en tant que techie, on peut vraiment aider les gens à comprendre le vrai du faux et à éduquer les gens. C'est important pour nous de faire la séparation avec la peur complète des ondes et les problèmes d'éducation numérique. Donc, la bière, elle est faite officiellement dans le hackerspace. Elle est, on a une licence spécifique. Et voilà, donc venez prendre une bière avec nous. Je me suis retrouvé dans mes papiers. Je vous conseille de ne jamais imprimer recto verso si vous devez faire une présentation devant beaucoup de gens, parce que vous ne vous y retrouvez jamais. Voici Daria de Chaospot. Quoi ? Je te comprends pas. Tu es Daria, n'est-ce pas ? Oui, oui. Ça va, je ne me suis pas complètement perdu. Alors, je suis Daria, je viens du Chaospot de Essen. Aujourd'hui, je vais vous raconter ce que nous avons fait à Essen cette année. D'abord, nous avons grandi. L'année dernière, ou plutôt cette année, nous avons passé la barre des 100 membres. Nous allons pouvoir fêter cela l'année prochaine, en même temps que notre jubilé des 10 ans d'existence. Voilà ce que nous avons fait. Nous avons beaucoup fait de choses avec Chaos Macht Schule, plein d'ateliers dans des écoles, des universités. Nous avons aussi participé à de nombreux événements de hacking avec des jeunes. Ensuite, au mois de février, nous avons encore organisé Hack im Pot. Nous allons recommencer l'année prochaine et nous serions ravis si nous pouvions voir quelques-uns d'entre vous. Si vous avez une association, vous voulez vous nous soutenir, venez nous voir. C'était rapide. Maintenant, voici Linus Neumann.
Il va parler de deux thèmes principaux qui ont... Il va parler de deux choses. Ouna Bini qui est aujourd'hui en prison. Et Ola Bini, correction. Et il va aussi nous parler de la Fusion, un festival électro. Parce que chaque année, on se demande si ce festival va avoir lieu, parce que les politiques ne sont pas très contents que des gens prennent trop de drogue et écoutent de la musique électronique. À chaque fois, les policiers viennent nous voir et nous disent « Ici doit régner l'ordre et la morale ». En général, on leur dit non et parfois, ça se passe pas très bien. Alors, en Équateur, il y a eu un changement politique. Il n'y a pas seulement... Julian Assange qui s'est réfugié dans une ambassade et qui a dû en partir, mais Ola Bini aussi. Ola Bini est un Suédois qui a été arrêté en Équateur où il vivait depuis 2013 et il a été arrêté pour des raisons qui ne sont pas tout à fait claires. Ils ne veulent pas le laisser partir parce qu'il s'est programmé et il se retrouve dans une situation bizarre où il est emprisonné, mais personne ne sait trop pourquoi. Bien entendu, les organisations de droits de l'homme ne sont pas très contentes. Et ici, je veux faire un peu la lumière sur son cas, parce que personne ne sait pourquoi est-ce qu'il est emprisonné. Nous en avons déjà parlé cet été au camp. Et... il est important de faire en sorte que les droits de nos amis et amies soient sauvegardés. Et c'est pour ça que je vais en parler ici aujourd'hui. Bien entendu, nous avons aussi dû subir des attaques à nos libertés et nos droits. Je crois que c'était à Pâques, j'ai reçu un appel des organisateurs du festival Fusion qui voulaient me demander des choses sur la sécurité de cet événement. Alors ils m'ont dit, vous au CCC, vous savez un peu ce qui se passe avec l'organisation de ce genre d'énorme événement et nous aimerions bien mettre en place une entreprise de presse, de relations publiques, pour faire en sorte que cet événement puisse continuer à avoir lieu. Je me suis dit, tu peux pas toujours gagner, parce qu'après tout, le travail de RP du CCC, c'est ça en fait, c'est gagner en permanence. Et il se trouve que dans l'organisation de la Fusion, nous sommes rentrés en collision avec des espèces de conspirations venant de politiciens de l'AFD, extrême droite allemande. Et nous avons vu un déploiement de policiers assez hallucinant lors de la Fusion. Mais si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus, je vous invite à regarder la conférence qui en parle et qui a eu lieu au camp. Et là, nous arrivons au camp. Ça va? Tu t'en es retrouvé dans tes notes? Oui. Alors, c'était comment le camp? Parce que j'ai entendu que c'était que tous les 4 ans. Ouais, et toi, t'étais où? Bah, figure-toi que cette semaine-là, j'avais un boulot que je ne pouvais pas déplacé. Qui était au camp là, parmi vous? Il y en a quand même quelques-uns. Eh mais pourquoi vous n'êtes pas tous venus? Regardez-moi cette photo. C'est multicolore, c'est beau non? Voilà, au camp tu as 50 hackers dans un champ. C'est genre une petite retraite pour des électro-geeks. Le grand problème de ce camp, c'est qu'il est trop court. C'est la seule critique que je reçois.
Tout le reste s'est super bien passé. Des tentes et les ordinateurs, finalement ça marche beaucoup mieux que ce qu'on pense. Dans 2 ans, auront de nouveau lieu des camps à droite à gauche à l'étranger, notamment en Pologne. Je vous conseille d'y jeter un œil. L'infrastructure a super bien marché. C'était vraiment sympa de se déplacer au milieu des tentes jour et nuit. J'ai fait beaucoup de choses avec l'organisation du village. Je ne sais plus combien de groupes étaient là, il y en avait trop. Ils venaient du monde entier. Ils venaient de partout de la République fédérale. Si vous voulez regarder, si vous voulez venir, faites-le si vous arrivez à dormir dehors ou dans un camping-car. Alors j'ai vu quelqu'un avec un petit caddie et il y avait des enceintes et le mec il n'arrêtait pas de mettre de la musique partout et on pouvait le troller en prenant contrôle de son caddie. Oui, en effet, il était guidé par VPS, je crois. Alors, il y a aussi le responsable de notre meilleur projet, le badge cardio. Et là, on va vous en parler un petit peu avec l'orateur suivant. Oui, donc après le succès du badge des années précédentes, on voulait quelque chose de nouveau et d'innovatif. Donc on a sorti le cardio. C'est un badge qu'on ne met pas autour du cou, mais qu'on porte comme une montre. Le nom cardio, c'est parce qu'on peut vraiment mesurer son rythme cardiaque. Mais ça peut faire d'autres choses. On a aussi un altimètre qui mesure la pression. On a aussi un gyroscope. On a également, pour des choses plus pratiques, une montre. Avec les LED qui sont intégrés, on peut faire des jolies choses. On a un senseur à aimant magnétique. On a aussi un jeu qui vous permet de manière très simple avec Python de faire des choses plutôt rigolotes. Si Python vous suffit pas, vous pouvez programmer des choses en C et faire des superbes simulations. On a une appli pour le smartphone, un compagnon qui vous permet de récupérer les données collectées par le cardio. Ce qui manque, c'est une protection. Le CPU qu'on utilise, c'est très connu parce qu'on a 2 cœurs et on a des services qui sont du coup dispersés sur les 2 cœurs. C'est une revue annuelle, donc je vous montre la timeline pour le cardio. On en a parlé la première fois au 35C3. Avoir un appareil qu'on peut porter autour du poignet. Les premiers prototypes étaient comme ça. Ensuite, quand on a su la taille que ça pouvait avoir, ça a commencé à se faire des idées sur ce qu'on peut mettre à l'intérieur. En février, on a commencé à travailler dessus. La vraie question, c'était comment est-ce qu'on fixe ça sur le poignet, qu'on a résolu en mars pendant le workshop à Berlin. Les premiers prototypes du board du circuit imprimé ont été préparés en avril et au Easter Egg, en fin avril, on a pu les présenter et on a travaillé sur le firmware à la fin du mois. En mai, on a commandé les platines et on a pu tester et waouh, quel miracle, tout a bien fonctionné. Donc, c'est uniquement le board qu'on a testé, mais même s'il ne faisait pas grand-chose, on a pu créer une campagne de financement participatif pour créer notre badge. Donc ce qu'on voulait, c'était que toutes les personnes qui participaient au camp pouvaient avoir leur
cardio. Les boards ont été commandés en juin. Le deuxième design a été terminé en juin et pour pouvoir créer le design final en juillet, nous avons fait les bandes, les 5500 bandeaux nous-mêmes, on a cousu tout nous-mêmes, on a tout soudé à la main et on a eu un typhon entre les deux. Donc ces super CPU qui n'étaient pas encore sur le marché étaient encore à Taïwan. Donc ils n'ont pas pu être livrés parce qu'il y a eu un typhon une semaine avant le Chaos Camp. Donc quelques jours avant le camp, même pendant le camp, on aura pu terminer les boards avec les nouveaux CPU. Ils sont vraiment arrivés par paquet directement sur le site du camp et on a pu les flasher et les préparer au dernier moment. Et on a pu enfin tout distribuer au moment du camp. Und ein großer Applaus bei den Lightning Talks heißt immer, ich krieg noch eine Minute extra. Wir sind natürlich hier auch vertreten auf dem 36C3 mit dem Cardio. On est ici aussi sur la Cardio Assembly dans le hall 2. On serait content si vous pouviez nous venir nous voir et on a des sets supplémentaires comme l'add-on pour la mesure, les mesures cardiaques précises. Et s'il vous plaît, venez nous voir. Merci, au revoir. Das sind Klicker geklaut. Na, klappt's? Er hat den Klicker geklaut. Il a piqué mon Klicker. Jetzt muss dir doch wieder auffallen, dass was nicht stimmt mit deinen Notizen. Il faut que je reprenne, que je vérifie si tout va bien avec tes notes. Martin n'est pas là, donc ma voix essaye de revenir. Je pense que je vais réussir à tenir les 5 prochaines minutes. Donc, commençons. Je suis là pour raconter des choses sur les singes aux trois têtes en cours THM, Tropia, Cardos et les suivants, le CCCB de Berlin. Donc, il n'y en a pas beaucoup qui sont là. On a vraiment fait un grand village avec une scène, un bar qui était en même temps un bateau, une tente workshop, et on a créé notre propre event dans l'event. Ce qui est important, c'est que c'est qu'on a fait un joli endroit. On avait une équipe de construction qui nous a expliqué exactement ce qui se passait et avec le bar, la vidéo et le son et tout ça. C'était génial parce que on voulait vraiment utiliser l'opportunité du camp pour faire ce que nous on aime faire et de la manière dont nous voulons le faire. Et on voulait rajouter de la décentralisation dans l'organisation de ce genre d'event. On n'a pas tout commencé à zéro. On avait Berlin dans le camp précédent. On avait des gens qui sont présents ici. On a Chaos West qui aime bien récupérer le programme sur la scène. Et on le voit ici à ce congrès également. C'est que c'est des choses qui viennent de plus en plus et c'est des choses qu'on embrasse à bras ouverts. Denn Tropia wollte seinen Geburtstag feiern, wir wollten BR-Nachfolge machen.
und Ojo sollte da irgendwie hinkommen. Aber wir wussten alle, so ein Camp. On savait tous que c'est vraiment quelque chose de fatigant, le camp. On savait pas si on allait vraiment survivre. Et ouais, les ressources à bout de souffle, c'était un sujet déjà au camp. On s'est dit on pouvait faire quelque chose ensemble en équipe. On a commencé à en parler en janvier et on s'est dit ouais, on fait quelque chose, mais on fait quelque chose de vraiment grand si on fait quelque chose ensemble. Et donc on est devenu l'équipe du singe à trois têtes. Je préfère pas vous expliquer ce qui se cache derrière les trois têtes parce qu'il y a plein d'histoires différentes. Donc c'est devenu beau, c'est devenu coloré. Et pour nous, ce que je veux vous transmettre comme information, c'est que ça nous a fait grandir. On n'a pas tous commencé à zéro, mais on a tous mis nos compétences en commun pour éliminer les limites en groupe. Et chacun a contribué à la de la manière dont il pouvait et des choses magnifiques sont sorties au final de ce projet. On aimerait bien vraiment refaire ça et j'aimerais maintenant donner le micro à l'équipe de construction qui va pouvoir vous parler plus en détail de tout le bois qu'ils ont utilisé pour toutes ces constructions, car c'est une histoire à part. Salut, je suis Vanessa, je suis de Cardus. Et je vais vous parler de notre équipe Volkas. Donc, on a aidé à la construction et beaucoup d'entre vous. On est un peu considéré comme une organisation humanitaire. Der Makerspace ist halt auch ein guter Treffpunkt für Leute, die uns ehrenamtlich unterstützen. Super viele sind halt auch hier beim Bau mit dabei gewesen und beim Camp. Und deswegen auch nochmal danke an euch, dass ihr so viel Zeit in eurer Freizeit mit uns verbringt. Merci à tous. Genau, ich bin Störte und repräsentiere jetzt hier mal die Vollgas-Crew. Wir haben uns irgendwann mal gedacht, dass wir auch total. Moi, je fais partie de l'équipe Vollgas. Et on s'est dit que ce serait vraiment super de faire ça, vu qu'on travaille avec le bois. Et au camp, c'est là où on a vraiment commencé. On a vraiment réfléchi à ce qu'on voulait atteindre. On a fait des plans, on a fait des designs. On s'est dit, oh, ce schéma devrait suffire. Et on s'est dit, bon, on n'a pas de budget et on n'a pas de matériaux. Donc ça a commencé comme ça, où on a utilisé les petites annonces eBay pour essayer de trouver les matériaux. On a trouvé des matériaux. Ici, les premiers essais où on s'est demandé comment, à quoi ça pouvait ressembler. On n'est pas vraiment des génies de la construction, mais c'est devenu quelque chose quand même. Et on a continué à construire à partir de là. Et ça a continué. Et quelque chose comme la lumière, c'est aussi quelque chose qu'on n'a pas vraiment planifié. Je pense que il y a pas mal de gens qui étaient là au camp et vous êtes venus prendre un verre au bar, une bière.
Ja, also wir haben da unsere kleine Crew-Stammkneipe auf jeden Fall. Et donc on avait notre petit bar avec les palettes de bière. Et on voit la proportion de nourriture par rapport à la proportion de bière. On a trouvé ça drôle qu'on peut acheter des palettes complètes de ce genre de produits, mais qu'il faut quand même tout mettre dans le chariot, passer à la caisse pour tout remettre sur la palette derrière. Et donc... On a aussi eu quelques autres difficultés. Il y avait des règles de construction qui ont dit que certaines choses ne peuvent pas dépasser 5 mètres. Mais c'est pas grave, on peut tout construire et une fois que tout est construit, on peut rajouter le mât du bateau de 12 mètres au-dessus une fois la construction terminée. On voit ici le mât, c'est là où le phare, c'est là où on trouvait Cardus. Vous pouviez venir ici et nous retrouver. Le phare est aussi présent ici, donc vous pouvez venir nous voir. Mais c'était pas terminé pour nous. On s'est dit, c'est dommage de tout jeter. Le vieux bois, on l'a recyclé, mais tout le reste, le bois qui était en bon état, on a tout rempli. On est allé 8 fois avec notre camion pour tout reconstruire à Fusion. Et vous êtes tous les bienvenus pour nous aider. Santé. Wir haben jetzt schon einiges von Entropia hier auf der Bühne gehört und wir machen, glaube ich, jetzt einfach mal weiter mit unseren Entropia-Festspielen. Il y a quelqu'un d'Entropia qui est là? War nicht nur am dreiköpfigen Affen beteiligt, sondern Entropia n'a pas seulement fait quelque chose avec les têtes, mais a aussi fait quelque chose que j'aime beaucoup. C'est ce qu'ils appellent la nuit. C'est ce qu'ils appellent la nuit du goulash de programmation. Aussi Caro? Et je vais vous raconter un petit peu ce que c'est que cette nuit du... cette goulash programmianart. Cette année, on a passé la barre des 2000 participants. On a... Ja, bei uns gingen genauso 17.000 Getränke über die Theke wegen einem Missverständnis mit der Metro. On a pu, on a fait vraiment plein de choses. On a programmé, on a hacké et on a fait 3 tonnes de goulash. Attends une seconde, il y a autre chose. Attends une seconde, il y a autre chose. De nos participants ont subi une agression homophobe de la part des contrôleurs du train. Ces contrôleurs ne savaient pas très bien dans quoi ils s'impliquaient. Parce que ces deux garçons avaient plus de 2000 followers à eux, avaient plus de 2000 followers chacun, et tout ça a fait boule de neige. Ça, c'était imprévu de la part des contrôleurs. Et tout d'un coup, il y avait un énorme chat bleu devant la mairie de Karlsruhe. Alors, évidemment, la police s'est demandé ce qui se passait. Nous avons répondu, non, il n'y a pas de chat. Elle est où ?
Wenig später war die Katze wieder da, mit dem Polizeischutz. Plus tard, le chat était de nouveau là, avec une protection policière. Le reste, ne nous pourrons pas vous le raconter pour des raisons juridiques, mais il y a peut-être d'autres possibilités. Alors, parce qu'on voulait savoir ce qui se passait, quelqu'un a fait une demande sur le EFG, a fait une information légale, parce qu'il voulait savoir ce qui se passait. Le Land a répondu. Que ça faisait partie d'une campagne pour que les citoyens s'intéressent à la numérisation. Le chat est devenu le symbole de la numérisation. Et parce que on a mis ce chat parce que Internet adore les chats. Nous avons demandé combien ça coûte. Toute la campagne, 2,2 millions d'euros. Le chat, 6 000. Ensuite, le chat a reçu un joli bavoir. On a demandé si le chat avait faim. Ils nous ont répondu que le chat était bien nourri. Et depuis la GPN, on sait que les systèmes d'évacuation et les processus fonctionnent très bien. La goulash nous appartient maintenant. Assez de Karlsruhe maintenant. Depuis 10, ça fait 10 ans que je discute sur des scènes du CCC et ça m'est arrivé à Darmstadt il y a 10 ans donc, où Brigitte Tsipras, la ministre de la Justice, m'avait parlé et j'ai l'impression que ça ne m'a pas vraiment convaincu, j'ai pas vraiment changé grand-chose à mon comportement. Mais ce que j'aimerais introduire, c'est les Chaos Days. C'est encore moi qui ai le droit de venir sur scène pour présenter. J'ai tiré la courte paille. Si quelqu'un est intéressé par l'interview dont Holger vient de parler, c'est sur YouTube, c'était très drôle. Donc, comme vous savez, la MRMCD existe depuis plus de 15 ans. Donc, c'est en deux chiffres. Ceux qui ne connaissent pas, c'est une des rencontres régionales du chaos où on a à peu près 700 personnes, en général à Darmstadt, à l'Université Technique. On passe un très beau week-end. Chacun a ses spécialités, on a un slogan rigolo. Cette année, c'était les jeux en société, les jeux de société. Et j'ai découvert du coup des jeux, on a créé des jeux de société aussi. On pouvait essayer de deviner les slogans des différents congrès. Je ne vais pas vous dire quel sera le slogan pour l'année prochaine, mais je serais très content de vous y voir. C'était pas une belle année uniquement par rapport à notre slogan, mais aussi parce qu'il fait assez froid, mais comme c'est très joli à l'extérieur, on l'utilise aussi. Ici, on ne peut pas vraiment aller à Karlsruhe ou à Darmstadt. C'est pas vraiment le même genre d'event, mais vous pouvez voir en venant nous voir que même à 2000 personnes, c'est très sympa.
c'est une très bonne ambiance. Et on a des sujets de recherche qui sont très intéressants. Darmstadt a une université technique qui se penche sur la sécurité et qui a une grosse importance au niveau de la sécurité. Si vous voulez avoir une chance de le faire l'année prochaine, on serait content. En 2020, donc du 4 au 6 septembre, c'est le premier week-end de septembre. Et peut-être que Holger viendra cette fois, encore une fois. SPD hat jetzt leider momentan nicht den Bundesjustizminister auf Brigitte Zypris geschoben, den Posten. Deswegen können wir sie jetzt nicht mehr über ein lokales Wahlkampfbüro bekommen. Wir machen das dann außerdem so, ich komme, wenn ihr nicht doppelseitig druckt. Das kann ich dir versprechen. Weil je viens si vous imprimez pas recto verso. Ça, je peux te le promettre, parce que imprimer, c'est toujours très compliqué. Und nun zu etwas völlig anderem. Österreich. Last but not least, l'Autriche. Alors, l'Autriche maintenant, bonjour. Cette année, nous avons fait la hystérique. Vous avez déjà vu le t-shirt, voilà à quoi ressemble le sweat. Si vous voulez encore avoir des habits, vous pouvez les commander. Donc on peut faire comme si on était là. Et c'est plus cher, non? Non. Il y avait 600 geeks et un Wolpertinger. C'est un projet fédératif imprimé en 3D. C'était un grand événement à l'Université technique de Vienne. Il y avait plusieurs salles pour les ateliers, deux grands halls pour des conférences et surtout un karaoké. Ce que nous avons également organisé, mais que nous organisons chaque année, c'est la semaine de la vie privée. La devise était Privat Oida. Oida, c'est un peu le genre, comme on dit genre en français, les Viennois disent Oida. Enfin bon, bref, les deux événements-là sont à peu près les principaux. Nous participons aussi à Chaos Marchule. La semaine de la vie privée aura aussi lieu l'année prochaine. On ne sait pas encore exactement quand. A priori, ce sera aussi en octobre. Je crois que c'est tout. C'est tout. Bah merci. Venez nous voir. Ah, j'ai oublié quelque chose. Même si on peut commander les t-shirts et les sweats, il nous reste encore quelques tasses. C'est chez nous à l'assemblée. Quand vous sortez, c'est un peu à gauche. C'est pas le dôme, mais c'est celui d'à côté. A plus, merci. Tout ira bien, ne vous inquiétez pas, vous sortirez à temps. J'en vois déjà qui partent. On n'en a pas encore plus longtemps, mais par contre, ce qui arrive maintenant, Grégor va nous, plutôt Franck, va nous parler de souveraineté numérique. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé dans la bulle des lobbies berlinoises. On essaye de nourrir la politique avec du savoir. Et une de nos aventures
était la souveraineté numérique dans le contexte de toute cette histoire avec Huawei. La situation est la suivante. Il y a une énorme panique qui éclate dans le monde politique. Alors évidemment, la politique n'a rien à voir avec la réalité. Parce que, en réalité, chez la plupart, et même dans tout, chez tous les constructeurs, il y a des bugs. En parallèle, il y a toute cette histoire avec la loi sur la sécurité informatique 2.0 qui a de nombreuses répercussions sur la vie privée. Le problème, c'est que malgré certaines bonnes approches, le ministère de l'Intérieur a la volonté d'y inclure toutes sortes de prérogatives qui seraient un énorme problème pour la sécurité des uns et des autres, ainsi que celle de la vie privée. Elle voudrait notamment faire en sorte que l'utilisation de plateformes anonymes soit interdite. Il faut dire que les attaques assez violentes venant du monde de l'entreprise par rapport à certaines attaques informatiques, l'interprète se reprend, les attaques de ransomware sur de nombreuses institutions, notamment dans le monde hospitalier, mais aussi les grandes entreprises, fait en sorte que l'on se rend compte de plus en plus que la sécurité informatique est absolument cruciale. Et donc il y a eu de nombreuses réunions avec des experts ainsi que des responsables du monde politique qui visaient à expliquer et à éduquer nos responsables politiques, les tenants et aboutissants de toutes ces différentes problématiques. Parfois, c'était des échecs. En raison, à cause de la Atlantic Brücke, qui est un lobby américain présent au Bundestag, qui a essayé de dominer la discussion en disant qu'il fallait absolument éloigner Huawei. Ils pensent que s'ils disent Huawei, Huawei assez souvent, ils pourront faire en sorte de faire passer leurs intérêts avant ceux des autres. En fait, ils essayent juste de faire glisser la problématique de la souveraineté technologique de l'autre côté de l'Atlantique. Quand on regarde cette problématique de la souveraineté technologique, il n'y a plus vraiment d'alliés. Les Américains ont d'ailleurs essayé de faire pression en utilisant le pipeline qui doit passer par le nord-est de l'Allemagne si l'on n'écoutait pas leur volonté concernant Huawei. Donc l'idée qu'on ne peut plus compter sur ses amis commence à faire son petit bonhomme de chemin. Il y a une certaine déception dans le monde politique parce que la souveraineté technologique semble être inatteignable. Mais il y a des intérêts qui sont supérieurs à ceux des partis qui essayent de trouver des solutions. Et notamment le CCC qui a été invité à ce genre de discussion, ce qui habituellement n'arrive jamais. Alors, je vais faire un petit résumé des demandes que nous avons faites. Il faut recommencer
il faut recommencer à zéro. Personne qui personne ne doit apprendre à programmer en Allemagne sans apprendre à programmer de manière sécurisée. Nous voulons un label de sécurité en sur les différents appareils. Nous voulons savoir ce qui se passe avec cet appareil, notamment en matière d'obsolescence programmée ou de dépendance au cloud, lorsque nous achetons des gadgets électroniques. Et cela rejoint bien l'idée de la consommation énergétique d'un frigo. Quand vous achetez un frigo, il y a un label qui vous explique son empreinte énergétique. Eh bien, nous voulons exactement la même chose avec nos appareils électroniques concernant la sécurité et les cycles de mise à jour. Nous voulons un audit des composants open source de l'utilisation de l'informatique dans des installations critiques dans la République fédérale, et nous voulons que l'utilisation d'appareils open source qui permet, elle, de faire un audit massif, soit développé dans les institutions publiques. Et nous voulons améliorer les normes sécuritaires en matière informatique. Et bien entendu, nous avons notre arlésienne. Nous voulons que l'Institut fédéral de sécurité informatique soit indépendant du ministère de l'Intérieur. Ainsi, il n'y aura pas de porosité entre ces deux institutions. J'ai quoi ? On a dans le Süddeutsche Zeitung, on a des articles sur du code trojan dans les programmes dans des programmes. Donc c'était comme ça. FinSpy, c'est un logiciel le trojan d'espionnage créé par l'État allemand. Donc j'étais Ulf m'appelle et il me dit Linus, c'est moi, je lui demande qu'est-ce que je peux faire contre toi. Et il me dit est-ce que tu peux arrêter d'analyser les logiciels. Ah, c'était utilisé en Turquie contre des personnes de l'opposition. Ah tiens, intéressant. Parce que normalement, on ne devrait pas pouvoir l'exporter aussi simplement depuis 2015. Donc j'aimerais bien savoir quand est-ce qu'il a été créé. C'est intéressant. On voit ça. J'ai appelé Thorsten Schröder et je lui ai dit, désolé, je sais que tu es très occupé, mais nous devons regarder encore le sujet du trojan d'État. Ça fait un moment déjà qu'on en a parlé, 2011. Et ensuite, on a eu FinSpy. On a regardé des échantillons. La GFF avait commencé l'analyse et voulait qu'on vérifie et qu'on termine. J'ai fait ça sans demander l'autorisation à Thorsten parce que
Il aurait voulu qu'on le justifie. Ça aurait pas suffi de le comparer avec un autre échantillon de FinSpy. On aurait bien voulu tous les avoir. Non? Donc, on a dû chercher pendant un moment pour récupérer toutes les informations. Et ça a pris du temps. Ça a pris plus de temps que prévu. Et avant qu'on ne termine pas, il faut que je fasse une session dessus. Donc, demain, à 16h10, Thorsten Schröder et Ulf vont donner une session sur cette analyse. On sait que ce logiciel a pu être, ce Trojan a pu être fait qu'en 2016 parce qu'il utilise des logiciels de compilation qui n'existaient pas avant. Avec les échantillons qu'on a analysés, on sait que ça vient de la même maison que FinSpy. On aimerait bien savoir comment l'État explique que ça a été utilisé contre la population à Myanmar, comment on dit en oui. Ou contre la population turque, les opposants turcs en Turquie. T'as sûrement rencontré quelques personnes des autorités dans les couloirs ici, t'aurais pu leur demander. Oui, on a publié tous les extraits de Trojan qu'on a, tous les échantillons, on les a tous publiés sur GitHub. Donc on a tout mis sur GitHub. Et on serait vraiment content si d'autres analyses pouvaient prouver, comme nous, ce qu'on a découvert et voir même plus. On aimerait vraiment beaucoup que nos chers amis du DKA puissent comparer. FinSpy, FinFisher ont été récupérés, ont été rachetés et du coup c'est l'État qui les a achetés, donc eux peuvent prouver que c'est bien les mêmes sources. Bien. J'aurais... Salut Holgi. T'as préparé quelque chose là pour la fin? Non, rien du tout. J'avais tellement peur tout à l'heure, parce que ça fait 2 heures que je suis là et je savais pas quoi faire, et enfin tu es là. Et alors toutes les 5 minutes il y a quelqu'un qui arrive, quelqu'un que je connais même pas. Alors, en tout cas t'as fait du bon boulot. Je suis un peu jaloux quand même, t'as reçu une gaufre. Il y avait qui? Tu sais, j'ai réfléchi, ça fait 2 heures que je me dis, mais il y avait quoi dans cette gaufre, j'ai l'impression qu'on m'a trollé. Alors, c'était la première tentative de faire la revue du CCC de manière décentralisée. Nous vous promettons, vraiment, que ça sera moins chaotique en 2020. En tout cas, je veux pas qu'on imprime en recto verso. Si, si, désolé, on continue à protéger les ressources. Regarde ce qu'il y a marqué là. Ressources exhaustion, ça veut dire quoi? Je sais pas, un truc avec les ressources. Alors, toi t'as les deux pages là, mais où est-ce que tu... Je sais pas où est-ce que je commence. Bah si, commence par le haut. Je pensais vraiment que notre collègue avait préparé un peu mieux
Bah quand même, c'est pas mal. Le coup du fusion. J'étais un peu déçu. C'est peut-être parce que j'y suis pas allé. T'as été au camp? En tout cas, je t'y ai pas vu. Si, j'y étais pendant 2 jours. Il y avait samedi midi, je sais pas, il y avait quelqu'un qui m'a dit « Allez, viens, on va faire un truc avec du vin. » Et j'y suis allé, et puis du coup, je suis resté jusqu'à lundi. Bon, on arrête? Ok, on arrête. Applaudissements pour tous ceux qui étaient présents. Un tonnerre d'applaudissements pour...